petit père du peuple serdaristanais nous a remis sur la voie. Il nous a dit que l'or était sur le pétrolier du légionnaire, à Sadiz, le joyau de la mer Caspienne. Enfin, joyau, c'est vite dit, disons qu'il y avait un peu de boulot. Et le président, me direz-vous? Il a pu s'exiler comme il voulait. Eh oui. Cruel, mais juste. Hé, hey, les gars, le voilà. Je te l'avais dit qu'on reverrait ce bateau. Ouais, c'est le légionnaire. Au moins, on s'est pas planté dans l'endroit. Bon, comment on va s'y prendre? Il va falloir contourner tout ça. Commençons par sécuriser la plage. Ça me plaît bien ici. Je pourrais y venir pour les vacances. Bien sûr, si les snipers te dérangent pas, ou les mines sur la plage. Ou l'odeur de la mort. Si je me souviens bien, ils devraient construire un grand complexe hôtelier ici. Mais la guerre a éclaté et... Vous vous en foutez de ce que je raconte? Écoutez-moi, si on veut les lingots, c'est maintenant ou jamais. On se trouve un véhicule et direction Sadiz, par la côte. Il faut se rapprocher le plus possible du bateau. Et puis... Et puis... quoi? Et puis, on improvisera. Dites voir, y a que moi qui la sens pas trop, cette histoire? Ouais. Grosse, oui. Bref, connard! Touché! À terre, à terre! Ouvrez-moi! Regarde! Sniper, ouvrez-vous! Ouvrez bien, les gars! Gaffe!
dessus. Allez, allez. Et fond. On se regroupe. Bravo One Charlie, ici Mike One Juliette. Vos gars se sont perdus ou quoi? Vous êtes à Sadiz? À vous. Non, on est censé être tombé au champ d'honneur, donc ça regarde plus personne. À vous. Peut-être, mais vous ne me facilitez pas la tâche pour que je vous aide. Sadiz est une vraie fourmilière. À vous. Sergent, dites-lui. Quand je vous ai raccroché au nez au Serdaristan, en fait, on était en train de chercher de l'or. L'or du légionnaire, ça vous dit quelque chose? À vous. Oui, ça me parle vaguement. À vous. Ouais, bah nous aussi. On sent le magot pas loin, et on compte bien mettre la main dessus. À vous. Les choses étant ce qu'elles sont, je ne peux pas vraiment vous en vouloir. Mais sachez que les forces américaines arrivent dans le secteur. Attention au feu ami. À vous. Ouais. Et vous trouvez ça drôle? À vous. Oh, j'y pense. Si vous décrochez le jackpot, vous penserez à moi, hein? Terminé. Hé, hey, cocotte, c'est quoi ta couleur préférée? Je crois que c'est la CMO. Lance-roquette droit sur nous! Attention! Ah! Oh! Oh!
Oh oh. Écoutez. La CMO. On dirait que les copains en prennent pour leur grade. C'est plus notre guerre. C'est pas une question de guerre, mais de... C'est nos gars qui sont botés le cul là-bas. Ouais, ouais, vous avez raison. Ennemi repéré. C'est des représailles des requins. Faut mieux se tirer. À terre! Ouais, bien. De marcher encore. Et si on s'en servait ?
bagnole blindée. Attention les gars, la doucha, ça va barder. Oh, le beau sapin de Noël! Sors-nous de là, et vite. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. Vous allez avoir de la compagnie. À vous. Des ennemis? À vous. Non. On lance une contre-attaque, et la première vague va atteindre votre position dans quelques minutes. On va sécuriser les ponts au sud et contrôler ensuite le reste de la ville assez facilement, je pense. Attention au feu ami. Terminé.
Merde. Les gars appliquent. S'ils nous rattrapent, on peut s'asseoir sur le blé. Elle a dit un truc à propos des ponts, non? Si on les détruit, on pourra peut-être les retenir assez longtemps pour aller au bateau. Retarder la progression de l'armée américaine, c'est pas de la trahison, ça? Je dis pas de les stopper net, mais de les retenir un moment. C'est pas pareil. On serait quand même bon pour le peloton d'exécution. Pour l'armée, on est déjà mort, t'as oublié? Et Agarde a raison, il faut détruire ces ponts. Continuez les gars, les blindés US approchent. S'ils franchissent ces ponts, ciao les lingots! Allez les mecs, faut faire sauter ces ponts avant qu'ils se pointent. Sauter avant qu'ils arrivent. À vous de me couvrir. Mais merde. Sors sur le pont. Jamais j'aurais pu trouver le sort.
poulet quand je crois son poulet. Il y a d'autres ennemis dans le coin, je les entends. Je vais sur une carte. Restez sur une ennemie dominent la zone, alors revenez vite. Vous voulez mourir continuer comme ça, Preston. Cette zone est sous le contrôle de l'armée. Revenez. Poulet quand je crois son poulet. Allez les mecs, faut faire sauter ses ponts avant qu'ils se pointent. Vous ne serez pas à l'abri de l'artillerie. Alors revenez. Bon, je suis pas certain qu'on n'est pas en train de faire une connerie, mais si on doit faire péter ces ponts, faut se mouiller. Péter l'autre. Ouais, pourquoi pas. Vous montrez pas. Allez, on les laisse pas respirer. À terre, tout le monde. Go, go. Tenez-vous dans la place, les gars. Ça devrait les retarder un bon moment. Allez, on file en ville. Je crois que c'est la CMO.
progresse. Recharge. Le méchant se pointerait. Enfin, lui ou un de ses potes. Eh ben, il y en a qui se sont un peu énervés par ici. On arrive à Sabine. Tenez-vous prêts. Alors, regarde, toujours envie de passer tes vacances ici? Des mercenaires. Génial, donc si je résume, on se cogne la CMO, les mercenaires et nos gars. Manque plus que les Ruskov et on pourra faire une photo de famille. On pourra jamais passer direct. On va devoir faire une sorte de diversion. Agarde, t'es partant? Preston peut venir. D'accord, tous les deux vous attirez leur attention et Sweet et moi, on cherche le magot. Bravo, Anne-Charlie. Ici Mike, Anne-Juliette. Si vous m'entendez, on a largué du matériel de reco dans votre secteur. Je vous envoie les coordonnées. Il faut croire que votre aide a été appréciée finalement. Bonne chance. Terminé. Question de karma, Preston. Allons voir ce qu'il nous refile. Je le sens bien. Allez, Preston, ramène-toi. Super! Un autre viseur laser! Demande une frappe sur cette grosse citerne d'essence! Ça va les réveiller un peu! Réception du signal! Largage imminent!
les unités ennemies se dirigent vers nous. Tâchez de nous rattraper, on se retrouve au port. J'entends des soldats qui s'amènent. T'es bien entraîné, Preston. Fais venir un médecin tout de suite. Des ennemis. Preston a été touché. Abritez-vous. Terminé. Abritez-vous.
un homme à terre. À terre, à terre. Descendez. Il y a des ennemis. Ramenez vos fesses à l'entrepôt des docks. Tout de suite. Terminé. Alors, c'était pas une légende. Oh là là! Regardez ça! Ouais! La vache! Ouais! Des tonnes d'or! Oui, oui, oui. Pareil, sauf... Oui, oui, oui. Là, j'y crois pas. Je voulais pas gâcher ce grand moment. Mais personne ne savait comment on allait sortir ce magot de là. Et pendant ce temps-là, le méchant... était toujours aux abois. Ah non ! Lâchez-nous, merde ! Faut qu'on se tire d'ici, vite ! Sans blague ! Non, mais t'as trouvé ça tout seul ! Ouais, ça t'étonne ! Il nous faut un gros calibre ! Je crois que je peux te trouver ça ! Suivez-moi, mais vite ! C'est bon. Je crois qu'on les a semés. Tu crois? C'était ça, ta super idée? Ah, la ferme, vous deux. Maintenant, on contre-attaque. Vous avez l'air tout grognon. Vous dormez bien, sergent? Ça, on se demande, Agarde. Pour ma part, je suis impressionné par les qualités de meneur du sergent. Ah, mais vos gueules, merde! Le voilà, il revient par ici. Attention, Preston! C'est le légionnaire! On n'a rien pour lui faire sa fête! Et puis quoi? On trouve le magot qu'on trouvait juste après? Il y a un canon de la DCA sur la clé! C'est notre seul temps! On attend quoi? Allez, go! Bordel! Faites venir un médecin tout de suite!
Oh oh Canon de la DTA, on va les occuper pendant ce temps. Thank you.
c'est que tu commences à te rendre utile, dis donc. Mais ouais, presque autant que moi, en fait. Ouais, c'est pas mal pour un bleu. Écoutez, les gars. Allez, on retourne voir le magot. Moi aussi, ça me fait plaisir. Je me sens intégré. Bon, alors, quelqu'un a une idée de comment on va sortir ce trésor d'ici? Ça y est, ça recommence. Négatif, négatif, négatif. Est-ce que t'as une idée du poids que ça fait, gros malin? On est les GI les plus blindés du monde, ok? Tu peux pas apprécier et être content juste une fois dans ta vie, non? Ta gueule, la garde. C'était vraiment trop beau pour être vrai. Tiens, voilà le résultat à force d'être négatif. Ah, parce que c'est ma faute. On s'en tape. C'est foutu. Allez, on se tire d'ici, avant qu'ils nous voient. Soldats, qu'est-ce que vous attendez? Chef, on est un groupe d'élite qui, des agents. Chef, on contrôle la zone. Et on attend les ordres, chef. Montez dans le camion et suivez le convoi. Le camion, là, chef? Affirmatif. Le camion plein de... de ferraille, là. Exécution. À vos ordres! Comme je disais, pour faire la guerre, c'est pas les motivations qui manquent. Parfois, quand celles qu'on vous donne suffisent pas, faut en trouver d'autres. Après, peut-être, si vous avez du bol, vous vous en sortez en un seul morceau. Mais au final, je crois aussi qu'il faut être bien entouré. Camionosaure, bouge pas, me voilà. École de dentiste, bouge pas, me voilà. Hé hé, à moi, les espadons. Thank you.
Crash, 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 crash.